بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين مشاف غزوسة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته comme vous le savez nous sommes dans le cadre de l'enseignement de la jurisprudence islamique. Nous étions arrivés à ce thème en parlant réellement de Ghusl al-Mayyit, c'est-à-dire que le bain mortuaire que nous avons essayé de parler. Et après ce bain mortuaire, il ne faudrait pas que l'on puisse perdre réellement le fil. Ce que nous avons commencé à parler, les actes qui exigent le bain exigé, qu'on appelle le grand lavage, les actes qu'il exige. Et nous avons parlé de ces actes, nous avons parlé, mes chers frères et sœurs, de Janaba qui peut exiger. Nous avons donné les conditions de Janaba. Nous avons donné aussi le fait de la conversion, se convertir à l'islam. Et aussi, nous avons parlé aussi les règles, les menstrues. Et nous avons parlé aussi de la lochi. Et aussi, nous avons parlé, mes chers frères et sœurs, de l'attouchement de la dépouille refroidie. Nous avons parlé parmi ces causes, Inch'Allah. Et nous étions arrivés, nous étions en train de parler après le lavage mortuaire, quelles sont les conditions sous lesquelles nous sommes soumis réellement à respecter. Et ces conditions dans le lavage, après le lavage jusqu'à l'enterrement, ce sont les conscients questions qu'il était important que nous puissions réellement vous donner, mes chers frères et sœurs, sinon le sujet ce n'est rien d'autre que le bain mortuaire. Donc nous étions à ce stade-là, mes chers frères et sœurs, et nous avons aussi essayé de parler effectivement les règles à observer lors du convoi funèbre, parce que après avoir donné fait du lavage un mortuaire à notre dépouille, et il nous a demandé de façon obligatoire, mais une obligation communautaire, d'accompagner le défunt à sa dernière demeure, de l'enterrer, etc. Et nous avons essayé, chers frères et sœurs, dans l'émission passée, et de parler effectivement des conditions de l'enterrement, comment il fallait faire l'enterrement. Et aussi, il y a des actes qui nous sont recommandés, il y a des actes qui nous sont déconseillés. Nous avons essayé de parler de tout ça, mes chers frères et sœurs. Mais ce qui est plus important, les actes qui nous sont aussi déconseillés pendant le funérail ou le convoi funèbre ou le lavage, ici, ne sais pas. Après le décès, mes chers frères et sœurs, en gros, ce sont les actes qui nous sont réellement déconseillés. Si nous nous trouvons, mes chers frères et sœurs, auprès de ceux qui ont été endeuillés, il faut éviter, il est déconseillé, mes chers frères et sœurs, de rire pendant que les autres sont en deuil. Il est aussi déconseillé, mes chers frères et sœurs, de plaisanter ou de s'entretenir au sujet des choses futiles, des choses qui ne sont pas d'une importance aussi liée à la foi ni à la religion, seulement que des choses qui sont totalement liées à ces bas-monde, mes chers frères et sœurs. Il est déconseillé de parler de ces choses. Et aussi, lorsque nous voulons accompagner la dépouille, il est demandé, mes chers frères et sœurs, il est déconseillé de ne pas marcher rapidement, et aussi plus particulièrement en courant. Il est déconseillé de ne pas rapidement en force de courir. Et il y a aussi conseillé, mes chers, de marcher
et en vitesse moyenne, c'est-à-dire que pas trop, mais pas en courant, mais en vitesse moyenne. Voici les aides qui nous sont déconseillées, mes chers frères et sœurs. Pendant l'accompagnement de convoi ou le convoi du funèbre, nous devons respecter ces actes, mes chers frères et sœurs, Inch'Allah. Et il y a aussi, mes chers frères et sœurs, des devoirs que nous avons essayé de parler dans l'émission passée. Celui qui vient de perdre la personne qui lui était très chère, donc l'endeuillé, il y a des conseils, il y a des choses qu'il doit réellement respecter. La première de ces choses, c'est de s'armer de plus de patience. Patience, ce n'est rien d'autre que c'est un signe des croyants. Et le prophète ne faisait que nous interpeller à ce sujet. Donc, il est important que le croyant puisse s'armer de patience dans sa vie quotidienne, mais dans ce cas précis, lorsqu'il perd une personne qui lui est très chère. Et nous avons cela aussi, il est recommandé au moment de la levée du corps d'essayer de toucher ou de montrer, de faire un signe, de montrer un signe d'endeuillement pour dire, pour mettre une différence entre lui et ceux qui sont venus participer à l'enterrement de celui-là même qui est de son parent, qui lui est très cher. Il est recommandé aussi seulement, mes chers frères et sœurs, de dire Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il faut montrer réellement aux gens que vous êtes beaucoup endeuillés, soit par l'habillement ou soit par une position quelconque, mes chers frères et sœurs, dans un état quelconque pour mettre une différence entre vous et les autres qui sont venus participer, et soit essayer de compatir à votre douleur et aussi, mes chers frères, à la recherche de se rapprocher aussi d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont venus vraiment se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, aussi compatir aux douleurs de celui-là qui vient de perdre ses parents, son parent. Donc, mes chers frères, voilà à peu près les conditions qui sont là. Et il est recommandé aussi de réciter le Coran. Et aussi, mes chers frères, il est recommandé, après le départ de ceux qui ont participé au convoi funèbre, de rester aux côtés du défunt. Mes chers frères, ses proches parents, ses parents, essayer de lire quelques sourates ou des versets coraniques ou des dhikrs ou des prières sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam auprès de lui, surtout où se trouve l'endroit où se trouve sa tête, où l'on doit s'asseoir là-bas pour prier pour ce défunt. Il est interdit, mes chers frères et sœurs, celui-là même qui vient de perdre ses parents ou son parent, il est interdit pour lui, mes chers frères et sœurs, de réellement se déchirer ses habits ou de se griffer, mes chers frères et sœurs, en criant des pleurs sur son visage et aussi son corps, et de déchirer aussi ses habits, mes chers frères et sœurs. Il est interdit. Mais s'il s'avère que quelqu'un a pu réellement commettre cet acte-là, il est demandé de respecter ses sentences. Il y a des choses qu'il doit réellement respecter. S'il fait cela, pour que Allah subhanahu wa ta'ala puisse lui pardonner ce péché, il est demandé à ce qu'il franchisse un esclave. Si, à défaut de ne pas trouver un esclave qui nourrisse ou vêtit, dit, c'est ce qui est demandé, 10 pauvres. Donc, mes chers frères et sœurs, et en cas d'impossibilité pour cela, il est demandé de jeûner pendant 3 jours. Donc, mes chers frères et sœurs, voilà les aides qui nous sont recommandées lorsqu'on se trouve dans ce cas précis. Donc, mes chers frères et sœurs, voilà ce qui est demandé pour la femme aussi. C'est valable aussi pour la femme qui tire les cheveux, qui déchire les habits, qui se griffe, etc. Mes chers frères et sœurs, tout ça, c'est interdit. Mais pour que Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous pardonner les péchés, voilà les choses que nous devons, mes chers frères et sœurs, respecter et faire pour que Dieu puisse réellement nous pardonner le péché. Nous avons aussi parlé aussi du fait de l'enterrement et comment enterrer le mort. Le mort doit être enterré de manière à empêcher l'odeur de putréfaction, mes chers frères et sœurs, de se répandre dans l'atmosphère. Il est demandé aussi de protéger aussi par rapport à l'enterrement aux animaux et charognards qui ne puissent pas venir
déterrer le défunt, mes chers frères et sœurs, et aussi le demander de le faire coucher sur le flanc droit. Et faisant face à la Qibla, il y a, mes chers frères et sœurs, de l'enterrer aussi dans la terre, et on peut le mettre dans un édifice lorsque nous avons réellement des problèmes, mes chers frères et sœurs, à ce qui concerne le tombeau. Si le tombeau ne peut pas être aussi profond par manque de terre dure, mes chers frères et sœurs, nous pouvons essayer de faire un cercueil, hein, de mettre la dépouille dans le cercueil, ou soit, mes chers frères et sœurs, de construire à l'intérieur de la terre pour qu'on puisse le mettre là-dedans, pour ne pas que les animaux puissent venir le déterrer. Donc voilà à peu près, mes chers frères et sœurs, des actes que nous avons essayé de parler de façon générale dans l'émission passée. Et nous sommes arrivés à un nouveau sujet, mes chers frères et sœurs, les endroits où il n'est pas permis d'enterrer le mort. Il y a des endroits qui n'est pas permis d'enterrer le mort, et nous allons essayer de vous parler de ces endroits, Inch'Allah, par la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et mes chers frères et sœurs, en premier lieu, il n'est pas permis d'enterrer un musulman dans un cimetière de non-croyants. Un croyant, un musulman, il ne doit pas l'enterrer dans un cimetière de non-croyants, et le non-croyant aussi ne doit pas être enterré dans un cimetière des croyants. Donc, mes chers frères et sœurs, c'est tout à fait important aussi. Et on n'est pas tenu de donner satisfaction au propriétaire. Mes chers frères et sœurs, il est demandé, effectivement, mes chers frères et sœurs, d'enterrer le fidèle musulman dans un endroit où se trouve effectivement, mes chers frères et sœurs, le cimetière des croyants. Et aussi, il faut effectivement éviter d'enterrer aussi le non-croyant dans un cimetière des croyants. Et tout cela, mes chers frères et sœurs, rentre dans ce contrat. Et il n'est pas permis aussi, mes chers frères et sœurs, d'enterrer un musulman dans un lieu non autorisé. Dans un lieu non autorisé, c'est ce qu'on appelle réellement que ne soit pas un lieu aussi marsoub. Il doit être enterré dans un endroit, mes chers frères et sœurs, un endroit licite, qui ne soit pas un endroit usurpé, et ce soit un endroit licite, mes chers frères et sœurs, et que nous avons eu réellement une autorisation finie pour qu'on puisse l'enterrer dans cet endroit. Il est interdit, mes chers frères, de l'enterrer dans une mosquée, un endroit dédié à quelqu'un d'autre, soit un endroit qui a été dédié à quelqu'un, une autre personne, mes chers frères et sœurs. Il est interdit de l'enterrer dans cet endroit-là, parce que cet endroit peut être réellement considéré comme étant bien un endroit un endroit usurpé, parce que cet endroit a été dédié par une personne, et donc c'est le droit de cette personne-là qu'on ne doit pas bafouer. Mes chers frères et sœurs, une tombe ou quelqu'un qui est déjà enterré, que l'on est tenu d'ouvrir en l'occurrence. Mes chers frères et sœurs, il est interdit aussi réellement de déterrer quelqu'un qui est déjà enterré. Vous voyez, c'est important, mes chers frères et sœurs, il n'est pas soit dans les conditions aussi bien précises, et il y a aussi, mes chers frères et sœurs, si on s'y s'avérait que quelqu'un qui a été enterré, et il a été enterré sans le lavage mortuaire, sans pourtant qu'il soit décomposé, on peut l'enlever pour lui faire le lavage mortuaire. Il y a ce cas. Et il y a le deuxième cas, mes chers frères et sœurs, aussi, que si on sent que linceul qu'on a utilisé réellement pour couvrir le défunt, mes chers frères et sœurs, s'il s'agit d'un linceul usurpé, il est demandé de l'enterrer. Si la dépouille n'a pas connu une décomposition. Et il y a aussi, mes chers frères et sœurs, aussi l'endroit où il a été enterré, si c'est un endroit usurpé, mes chers frères et sœurs, non autorisé, il faut le déterrer, mes chers frères et sœurs. Si on s'avère qu'on a enterré de façon réellement non respect des règles de l'islam, mes chers frères et sœurs, il est demandé aussi réellement de le déterrer, soit il a été enterré, le visage n'a pas été orienté vers le Kaaba, le Qibla, mes chers frères et sœurs. Donc, il est demandé de rectifier cela en le déterrant, essayer de faire, mes chers frères et sœurs, un enterrement aussi correct qui est demandé par l'islam aussi, qui a aussi son droit de la dépouiller. Donc, mes chers frères et sœurs, voici, en réalité, la question, il n'est pas demandé de déterrer un mort, mais dans ce cas précis, à condition qu'il ne soit pas décomposé, mais dans ce cas précis, il est demandé, mes chers frères et sœurs, de le déterrer. On peut l'utiliser, la tombe d'un mort, lorsqu'il est décomposé totalement, rendu en poussière. Mais s'il n'est pas décomposé totalement, mes chers frères et sœurs, il est interdit, mes chers frères et sœurs, d'utiliser cet endroit ou d'enterrer une autre personne dans cet endroit-là.
Et mes chers frères et sœurs, il y a aussi des actes aussi qui sont recommandés, qui interviennent dans les façons, la façon d'enterrer le musulman. Inch'Allah, mes chers frères et sœurs, si Dieu le veut, nous allons essayer de parler de ces actes, mais il ne faudrait pas aussi, mes chers frères et sœurs, ignorer que dans ce cas précis, nous n'en sommes pas en train de parler réellement de l'enterrement ou le déterrement, etc. Mais c'est dans le cas, mes chers frères et sœurs, les actes qui puissent nous imposer le grand lavage, ça fait partie de ces actes, mes chers frères et sœurs, le bain mortuaire que nous sommes en train de vous parler. Mais dans ce cadre-là, il y a des actes qui nous sont recommandés. C'est pour cette raison que nous sommes rentrés en train de vous parler effectivement de ces actes. Sinon, il faut que nous rappelions, Inch'Allah, de ces points-là. Et ce sont des points qui nous ont amenés à parler réellement de At-Tahara, la purification. Et nous sommes arrivés, nous avons parlé de le petit lavage qui est là, les ablutions avant la prière. Et nous sommes arrivés au grand lavage qui n'est rien d'autre que le janaba et les autres lavages. Et nous sommes arrivés au bain mortuaire que nous sommes en train de vous exposer, mes chers frères et sœurs, dans ce cas précis. Donc, il ne faudrait pas perdre réellement la ligne, Inch'Allah. Et mes chers frères et sœurs, voilà quelques points que nous sommes, qui étaient importants pour nous, que nous puissions réellement vous rappeler ces points, Inch'Allah. Et il est important, mes chers frères et sœurs, que nous puissions s'y rappeler à chaque fois que nous avons perdu quelqu'un qui nous sommes chers, etc. Et aussi, il est important que dans l'enterrement, il y a aussi des dispositions qui concernent aussi le martyr. Et le martyr, dans ce sens que celui qui tombe dans un fond, mes chers frères et sœurs, il est demandé à ce qu'on fasse son enterrement sans le linceul, avec l'habit avec lequel il est tombé. Mais lorsqu'il se trouve qu'il n'a plus d'habit, donc nous sommes demandés réellement à le couvrir dans un linceul et l'enterrer comme il le faut, dignement, comme étant bien un musulman, qui est d'ailleurs son droit, mes chers frères et sœurs. Et sur ce, je vous dis, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.